À partir de 2014, il faudra vous habituer à ce nom, Erasmus+. Et oui, le projet Erasmus voit son budget presque doubler. Mais Erasmus, pour ceux qui participent, c'est quoi ? Faire une expérience dans une autre université qui fonctionne différemment. Profiter de l'expertise d'enseignants universitaires qui sont en poste dans d'autres universités. Great opportunity to gain the skills that I would need after university. Ils sont étudiants, stagiaires, personnels universitaires. Ils ont une chose en commun, ils ont fait un Erasmus. Erasmus en chiffres, c'est ça. 33 pays comprenant les 28 membres de l'Union, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et la Turquie. 4000 universités et un budget de 490 millions d'euros en 2013. Et pour ceux à qui cela ne suffit pas, il y a aussi Erasmus Mundus pour étudier, faire un stage ou enseigner dans le monde entier. Ça, c'est pour la théorie, mais dans la pratique, comment ça marche ? Ce que je vous explique ici est valable pour notre école, donc pour la Louvain School of Management, mais chaque faculté au sein de l'université applique différentes procédures. Concrètement, que faut-il faire pour s'inscrire ? La première chose à faire, c'est de nous présenter un test d'anglais, l'espagnol, l'italien, le néerlandais ou l'allemand, dans les destinations où ces langues-là sont parlées. Nous allons vous attribuer votre destination en fonction de vos notes. Ensuite, vous allez devoir remplir un contrat d'études. It's to learn new things and meet new people. C'était la découverte de qui je suis. Et la bourse d'étudiant ? Une fois le contrat d'études signé, le versement de la bourse sera débloqué. Les montants sont différents selon les pays et les universités. Ils sont calculés en fonction de la situation financière de l'étudiant. Les étudiants et les stagiaires bénéficieront en moyenne de 250 à 600 euros. Les stagiaires pourront en plus être payés par l'entreprise qui les emploie. Alors Erasmus, c'est vraiment pour tout le monde ? Celle qui en parle le mieux, c'est elle, Doris Pack. Elle se bat depuis des années pour améliorer le programme. It's not enough. It's financing enough. So the problem is you have to have financial means behind you. Your grandfather, your mother, whatever, your parents. In this very moment, Erasmus is unfortunately a little bit elite program financially. Mais Doris Pack ne s'avoue pas vaincue et propose des solutions plus équitables pour les étudiants avec moins de moyens financiers. Sur les 20 millions d'étudiants européens en 2011, 1% a participé au programme Erasmus. There were things that were different to university. For example, we did a lot of, I focused a lot on translation when I was in my work in France. And I had some training at university, but it was much more focused on the job. I made email contact with the Spanish hotel and they organized the internship, they had everything set up on their side. In France, it was slightly more complicated because I found the internship placement myself. So some of the paperwork that I had to do, I had to find out myself how to do it. Qui peut enseigner ? Les enseignants, le personnel universitaire et les représentants d'entreprise pendant un maximum de 6 semaines. Alors pour participer au programme Erasmus, la première chose qu'il faut, c'est établir un contact avec un enseignant d'une autre université. Et ce contact va vous permettre en fait d'établir un contrat bilatéral et qui suppose que vous irez donner cours dans son université et lui viendra donner cours dans votre université un minimum de 5 heures d'enseignement sur l'année, dans chaque sens. Il y a 2 appels par an. Vous n'avez qu'à remplir un formulaire en ligne pour signaler aux autorités centrales de l'université que vous souhaitez effectuer un échange Erasmus. La bourse de Madame Roskam comprend le trajet et 150 euros de per diem dans le pays étranger. Mais les montants ne sont pas figés, ils varient d'une université à l'autre. Le financement du programme Erasmus a été menacé par la crise économique et les mesures d'austérité qui touchent l'Union. Les débats furent houleux au Parlement pour défendre le projet et aujourd'hui, l'avenir est sauf. Un avenir qui porte un nom, Erasmus+. Avec un budget de 13 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, il chapeautera tous les programmes. À partir de 2014, il permettra encore plus de jeunes d'étudier, se former, enseigner ou encore faire du volontariat dans le monde entier.